Le surf, c'est la liberté, le confinement, c'est la contrainte. Ce confinement nous a permis de nous rendre compte à quel point ce que nous prenons pour acquis finalement est important pour nous. Je reste persuadé que l'interdiction qui a été faite aux surfeurs, comme aux nageurs, comme à tous ces gens qui vivent autour de la mer, du bord de plage, cette communauté-là, de profiter de cet espace-là, c'est un peu abusif. Oui, on revient au surf, toujours. Ça fait du bien d'ailleurs, c'est très bien. Et tu reviens avec tes templates, ton crayon, tu fais des designs de planches, tu reprends ton rabot, tu reviens vraiment à la création, quoi, à la vraie création. Cette période entre le déconfinement et l'autorisation de pouvoir aller à l'eau, c'était la plus compliquée. On a eu presque 2 semaines où on pouvait juste aller sur le bord de la plage, mais on ne pouvait pas aller sur la plage, on ne pouvait pas aller dans l'eau. Et j'ai trouvé ça un peu injuste, je l'ai vécu comme ça parce que tous les sports pouvaient reprendre, sauf le nôtre. C'était tellement une période particulière que je pense que tout le monde s'en rappelle. Et vraiment le besoin d'aller dans l'eau tous les jours est tellement important que j'espère pas qu'on va revivre ça demain. Et comme le surf est une forme de drogue dans le bon sens du terme, on est en manque. Et moi, j'étais en manque. Voilà.